Bonjour et bienvenue sur Elpenay pour devenir des entrepreneurs d'exception. C'est Thomas, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, on va voir pour moi la meilleure plateforme pour faire du copy trading, mais aussi pourquoi c'est la meilleure solution selon moi. Nous allons donc voir quelle est cette plateforme et comment elle fonctionne rapidement, puis nous allons voir les arguments. On terminera bien sûr par une citation en fin de vidéo. Ma plateforme préférée qui permet pour moi le meilleur copy trading, c'est Krill. Mais qu'est-ce que c'est? Krill est une solution pour créer des stratégies de trading sur les crypto-monnaies avec de multiples possibilités dans les stratégie. Mais les crypto-monnaies vont être tradées sur un exchange grâce à une clé API. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est tes crypto-monnaies, l'argent que tu as investi. Krill ne peut pas te le voler ou partir avec, car les cryptos, même quand elles tradent, sont sur ton wallet, ton portefeuille de ton exchange, comme Binance, KuCoin, etc. Si tu veux aller sur Krill et même t'inscrire, tu as le lien en description, c'est le premier lien, tu peux profiter de moins 30% sur tes 15 premiers jours. Et tu as aussi une vidéo sur ma chaîne qui te montre comment s'inscrire puis lier ta clé API. Donc comment ça fonctionne sur Krill concrètement? Tu es sur Krill, tu peux créer des stratégies de trading toi-même sur pratiquement toutes les paires de crypto possibles du moment qu'elle est disponible sur ton exchange, si tu es chaud et que tu t'y connais. Mais si tu t'y connais pas assez, comme moi par exemple, pour créer une bonne stratégie rentable à long terme, tu peux aussi aller sur la marketplace et utiliser les stratégies d'autres personnes qui partagent leurs stratégies. Donc ce sont des mecs comme toi et moi, lambda, clients de la plateforme. Et tu le sais, j'aime bien le principe de communauté où il y a une plateforme au service des utilisateurs qui permet de mettre en relation, car cela veut dire que les résultats des personnes ne sont pas modifiés, truqués, il n'y a pas de mensonges, on voit les bons et les mauvais en toute transparence. C'est donc parfait, je peux donc suivre des bonnes stratégies avec confiance sans pour autant m'y connaître comme un professionnel de la crypto ou est du trading. Les autres avantages de la plateforme sont donc que la crypto-monnaie reste dans ton exchange, il t'appartient tout le temps, impossible de te le faire voler. Ça trade sur la crypto-monnaie, ce qui permet une plus grande volatilité que sur les marchés traditionnels, donc les profits sont plus importants, les pertes aussi, mais avec une bonne stratégie, on a des profits. Comme ça trade sur les crypto-monnaies, c'est un secteur d'avenir, donc ce n'est pas prêt de s'arrêter. Même pour des novices, c'est accessible d'investir. C'est donc une opportunité pour tous, totalement passive. L'argent est extrêmement liquide, énorme point fort. Tu lances et tu arrêtes les stratégies à tout moment, quand tu veux, donc pour récupérer ton argent si tu en as besoin. Logiquement, les strats prennent en compte l'effet des intérêts composés. Si tu ne sais pas ce que c'est, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour l'expliquer. Tu peux tester toutes les strats en backtest, donc par rapport à l'évolution du marché passé, mais aussi les tester en live, donc laisser les stratégies tourner sans argent réel, sans crypto réel, ce qui permet d'avoir des résultats long terme, voir le potentiel d'une stratégie et rassurer les plus sceptiques avec des live tests. Et enfin, le coût d'utilisation est faible, environ 2% par mois de ce que tu investis, 1% va à Krill, puis de 0 à 1% pour la stratégie que vous utilisez, c'est fixé par le créateur, pour le rémunérer, c'est normal. 2% par mois maximum, c'est donc très peu pour un service de qualité où vous pouvez bien gagner. En choisissant les bonnes stratégies, vous êtes largement rentable. Pour un investissement à 1 000 euros, vous allez payer 20 euros par mois au maximum pour gagner de l'argent totalement passivement avec un investissement qui est relativement très sécurisé, puisque ça reste quand même de l'investissement et sur de la crypto, mais avec des exchanges sécurisés et des stratégies que l'on peut tester un maximum. Attention, pour chaque stratégie sur Krill, les résultats passés ne sont pas des garanties du futur. Il n'y a pas de garantie de rendement, tu peux perdre de l'argent, surtout si tu suis les mauvaises stratégies. Et même de bonnes stratégies, largement rentables sur le long terme, peut avoir des périodes de perte, donc il faut laisser le temps à une stratégie pour la juger, qu'elle gagne rapidement ou qu'elle perde au début. Mais alors, quelles sont les stratégies que j'utilise personnellement sur Krill et comment analyser pour savoir si c'est une bonne stratégie ou non? C'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi pour ne pas la rater. Pour patienter, découvrir Krill et être prêt quand je partagerai mes stratégies, tu peux t'inscrire gratuitement avec le lien en description et profiter des moins 30% et t'aider avec mon tutoriel s'inscrire sur Krill sur ma chaîne. Tu ne payes que lorsque tu utilises une stratégie, ne t'inquiète pas. Si la vidéo t'a servi, tu peux la liker, merci. Et on termine par la citation de Rick Falkvenge: le bitcoin fera aux banques ce que le courrier électronique a fait au secteur postal. Vous étiez sur Elpenay, à la prochaine, ciao.